Voici maintenant une chanson pour toutes celles et tous ceux qui, petits, ont rêvé de devenir grands reporters. Le teint allait par l'avant-tour, moucheté par la petite vérole. La barbe qui fallait trois jours, peau de chagrin noyée dans l'alcool. Un pantalon beige de flanelle, à cheval sur un dromadaire. Parti à la chasse aux nouvelles, revenu avec trois faits divers. Croisé l'envoyé très spécial, qui va de son cher confrère, qui a commencé à Canal avant d'atterrir à Inter. Trouver le chapeau adéquat pour être toujours, toujours à la page. Être lu par les diplomates, entre la poire et le fromage. Aller chercher l'inspiration dans un trois feuilles bien tassé. La place pour l'imagination quand il faut lécher son papier. Mais quand à Paris le temps presse, finir par un grand coup de manchette sur le crâne d'une petite négresse, j'en finis pas de faire un set. Est-ce que vous êtes prêts à prendre encore les commentaires du grand reporter en Afrique? Est-ce que vous êtes prêts à chanter? Are you ready? Ok, on vous écoute. Kabil la boule en Kabylie. Kabil la boule en Kabylie. Face aux flics, à vous tes flics. Face aux flics, à vous tes flics. Kadhafi n'a qu'un alibi. Kadhafi n'a qu'un alibi. Chasse Sarkozy à Kinshasa. Chasse Sarkozy à Kinshasa. Bongo se converge au Gabon. Avec le fric de la floc. Avec le fric de la floc. Des barbouzes pour les coups de bâton. Barbouzes pour les coups de bâton. Hergé pour la tactique ad hoc. Hergé pour la tactique ad hoc. Ok merci, c'est super. Ok merci, c'est super. Ça va les filles, c'est bon, merci. Ça va les filles, c'est bon, merci. Est fatigué. Notre grand reporter est fatigué, fatigué, fatigué. Toute la nuit, il est à la grande garden party du colonel Kadhafi. Toute la nuit, il a dansé le Mapuka. Mapuka. Il a dansé le Mapuka avec Rachida, Cecilia, Rama, Carla. Hola, 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 hola. Ah, Mapuka. Ah. Il est crevé, notre grand reporter, il a mal au rein. Heureusement, vers 4h du matin, il a enfin réussi à choper son scoop dans le moto de fourrure, dans le moto de fourrure de Ramayad. Dans un vestiaire, il a trouvé un SMS de Bernard Kouchner. Rejoins-moi vite ma petite gazelle, chambre 302. Il est content, notre reporter, il va pouvoir rentrer à Paris avec son scoop. Donc du coup, il va se coucher, il a fait son boulot, c'est bon. Il prend la route, il quitte le palais de Tripoli, il va dans les faubourgs chics de la capitale libyenne. Il rentre dans son hôtel, spécialement affrété par l'Elysée. S'allonge sur un bon gros matelas moelleux. Juste avant de se coucher, il aperçoit sur sa table de nuit un joli petit paquet cadeau. Oh, il reconnaît le papier cadeau de l'Elysée. C'est du papier doré avec des petits fils dorés et puis des dorures, des paillettes dorées dessus. Alors il ouvre intrigué et il découvre un exemplaire première édition de Tintin au Congo. Avec ce petit mot signé Henri Guénaud, il ne faut pas oublier les bienfaits de la colonisation. Ah, il a une pointe de mauvaise conscience qui germe dans son esprit, notre reporter, d'autant plus qu'il pense à ses glorieux aînés, Jack London, Ernest Hemingway, Joseph Kessel. Il finit par s'endormir en rêvant de Lyon. Yeah.
Tintin au Congo, au chevet d'une trois colonnes. Se payer l'étoffe d'un héros et le grand prix Albert London. Une frangine dans sa casse-bas qui lentement se désagrafe. Découpé à Casablanca, coincé entre deux paragraphes. Partir s'enterrer au Harare. Une fois fini, fini les commentaires sur les traces d'un.